Donc aujourd'hui, c'est le premier jour. Alors l'étape, on est sur le Mirantin, autour de la grande journée, avec Col de la Bâtie, et puis descendre par les Combettes. Voilà l'étape du premier jour, environ 2700 mètres de dénivelé. Positif. Ouais, ça a été une course partie un peu fort. La fin était un peu difficile, mais on a limité la casse et on est bien contente de notre résultat aujourd'hui. Elle a été très dure. On nous a annoncé 2007, on était plus proche des 3000 et on y a ressenti dans les jambes. Ouais. Et il a fait très chaud. Pour nous, c'est un peu le Tour de France du ski alpiniste. C'est la course où il faut être. Ouais, clairement. Ouais, c'est l'objectif de la saison. C'est la plus belle course de l'hiver avec une ambiance de ouf. Et puis sur 4 jours, un défi sportif qui est quand même pas négligeable. Bon, on est cuit. Hein. Là, on a le tarif, hein, comme on dit chez nous. C'est bon, on va aller se coucher un moment. Première bosse, ça allait, on était en peloton, après ça s'est bien étiré. Puis voilà, premier portage pour faire la différence, et après on est plus ou moins resté à notre place, quoi, à essayer de gérer un peu. Et sur le plateau de cette course, nous avons les meilleures filles, les meilleurs hommes, un très très beau plateau avec France, Italie, Espagne, Suisse, il y a 18 nationalités qui vont venir sur la course cette année. Depuis plus de 20 ans maintenant, c'est aussi un salon qui réunit les plus grandes marques du matériel de montagne et de ski alpinisme. Ça fait une vingtaine de sociétés qui sont présentes pendant les 4 jours. Le ski alpinisme, c'est vraiment l'essence même de la pratique de la montagne, et c'est là aussi que la marque s'est faite connaître, et pour nous c'est très important d'être présent auprès de ce public-là pour leur promouvoir nos produits. Ça fait bientôt maintenant 15 ans je pense que je suis là, je compte même plus. En tout cas, j'ai trouvé ma place ici, c'est vraiment sympa, il y a une très bonne ambiance. On voit que ça s'ouvre un peu aussi au grand public, et c'est toujours cool de voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont intéressées pour pratiquer le ski alpinisme et aller dans les montagnes et s'amuser en extérieur. C'est une approche de la montagne que j'aime beaucoup, car le ski alpinisme, ça permet d'aller découvrir des nouveaux horizons, c'est une course très importante. Et c'est vraiment un événement majeur sur la station d'Arèche. Alors le salon, il a plusieurs utilités. C'est vrai qu'il garde les spectateurs en attendant les arrivées, après les arrivées. Il sert aussi de point technique pour les coureurs. Beaucoup de coureurs passent parce que les marques font de l'entretien. Chaussures, ski, fixation. Et puis du public qui vient aussi voir les nouveautés de l'hiver prochain. Et puis faire des opérations aussi commerciales, parce que certaines marques font des remises sur le salon.